Hein? Pas mal, hein? Oh, parce que j'ai mis 3 semaines à bosser là-dessus, donc si ça déconne... Merde. Salut! Avatar 2, c'est de la merde! C'est le dernier truc que je voulais dire, et même que je m'attendais à dire, étant donné que j'aime le premier film. Bon, raisonnablement, bien sûr, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je considère que c'est un bon film et je le défends. Mais Avatar 2, c'est vraiment de la merde. Et pour beaucoup d'entre vous, le premier n'étant pas top, c'est un avis surprenant. En effet, depuis sa sortie en 2009, le 8e film de fiction de James Cameron a été beaucoup attaqué sur son scénario, Pocahontas ou Danse avec les loups chez les Schtroumpfs, on connaît tous, et avant la sortie de la suite, j'avais donc fait une vidéo pour revenir sur les accomplissements du premier film, en expliquant en quoi il était très bien, et en espérant ainsi que le public serait plus laxiste sur la suite. Je pensais pas, hélas, que le public allait être laxiste, vu que ça fait quand même 12 ans qu'on se demande ce qu'il va faire dans ses suites, vu qu'on a accusé Avatar d'avoir été oublié par la pop culture, parce qu'on a laissé la licence tranquille jusque-là, vu qu'on avait des exigences énormes étant donné le statut culte du premier film, le plus vu de tous les temps, ce qui a amené à ses accusations de plagiat aux répétitions, et surtout vu à quel point on a accusé le scénario du premier d'être simple. Et pourtant, personne a rien dit. Le film est au 3e rang du box-office international, prouvant au passage que le film avait bien laissé un impact dans la pop culture. Ou pas, parce qu'à moins d'avoir complètement oublié le scénario du premier film, moi j'ai un petit peu de mal à voir pourquoi est-ce que le public n'a pas été plus scandalisé par Avatar 2. Alors on va revenir rapidement sur le premier, histoire de rappeler ce que c'était, parce qu'il est temps que je vous explique pourquoi le 2 est une méga déception. Bon, parce qu'on peut pas nier qu'il apporte l'évasion et le divertissement qu'il promet, comme ça on est clair dès le début. Mais je dois vous l'avouer, les réactions dithyrambiques depuis sa sortie ont eu le don de m'agacer ces derniers mois. Et du coup, alors que ça faisait des années que je pensais faire une rétrospective James Cameron pour chanter ses louanges, eh ben je vais être obligé de faire une vidéo spécifique sur Avatar 2 parce que je suis un petit peu en train de vivre un effet Prometheus. Ou Star Wars 7. Il a fallu du temps pour vous convaincre que c'était de la merde, mais j'y suis arrivé, et j'entends bien recommencer l'exploit. Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Il y a plusieurs points aberrants dans Avatar 2, le premier étant probablement que le mec ait raté une suite à sa propre création. Fort d'une carrière de plus de 40 ans, James Cameron, ancien chauffeur routier et de bus scolaire canadien autodidacte en cinéma, a réalisé 9 films de fiction qui ont tous, à l'exception évidente de Piranha 2, cartonné, et 2 documentaires sous-marins plus ignorés du grand public, réalisés par passion. En effet, tout l'argent que Cameron gagne est investi dans l'exploration sous-marine, sa grande passion, que ce soit pour explorer l'épave du Titanic ou la fosse des Mariannes, et du pognon, il en a gagné! Après avoir été engagé sur un petit film d'horreur de série Z, son premier film et première création originale, The Terminator, le fera immédiatement remarquer. Et son deuxième, la suite Aliens, ne fera que confirmer son talent puisque beaucoup de gens le considèrent encore meilleur que le premier. Principalement à cause de son orientation action et grandiose, et l'émotion apportée par une relation mère-fille. Un exploit qu'il renouvellera avec Terminator 2, lui aussi meilleur que le premier, lui aussi encore plus orienté action et grandiose que le premier, lui aussi apportant de l'émotion par une relation mère-fils. Ces mots, action, grandiose et émotion, marqueront sa carrière, et comme il écrit ses films, c'est un des rares réalisateurs populaires de l'époque qui peut aussi prétendre au titre d'auteur et avoir le respect des critiques de tous bords. Cameron est le Golden Boy d'Hollywood. Tous ses projets sont des chefs-d'œuvre et marchent. Il ne déçoit jamais, et le couronnement de cette carrière n'était autre qu'Avatar, son 8e film, premier de l'histoire à passer la barre des 2 milliards de recettes mondiales. Vous comprendrez donc que, fort de cette carrière, la moindre déception fait l'effet d'un électrochoc. Alors Avatar, la voix de l'eau, ça a un peu été l'équivalent d'un éclair qu'aurait pris ma bite pour un paratonnerre. C'est d'autant plus surprenant que manifestement, il voulait pas le rater ce deuxième film. La suite n'a pas été rushée pour surfer sur le succès du premier, elle a mis 12 ans à sortir, et il a même été chercher de l'aide pour être sûr de réussir. C'est en effet un des rares scénarios pour ses propres films que James n'a pas écrit tout seul.
si on oublie Piranha 2, qu'il avait engagé en Yes Man sur un script préexistant, et les deux Terminator dont les scripts ont reçu un rapide coup de polish par Gail Ann Hurd, sa femme à l'époque du premier, qui a participé au premier, et un de ses amis, William Wisher Jr., sur les deux films. Sur cette suite, il a fait appel à un couple de scénaristes-producteurs célèbres, justement pour avoir parfaitement géré des suites et des reboots, Rick Jaffa et Amanda Silver, dont vous aurez pu apprécier le travail sur le reboot de La Planète des Singes, le premier Jurassic World, et... Mulan. En fait, leur chute était un peu annoncée, hein. Il a aussi fait appel à Josh Friedman et Shane Salerno, le premier ayant été à l'œuvre sur La Guerre des Mondes de Spielberg, les séries The Sarah Connor Chronicles, Snowpiercer et Fondation, et Terminator Dark Fate. Le deuxième ayant livré des films et épisodes de séries de qualité variable allant de Shaft ou Savages à Armageddon, Ghost Rider et les deux Alien vs Predator, au milieu de séries policières comme NYPD Blue ou Hawaii 5-0. Et en fait, quand tu vois un cocktail de scénaristes pareil, tu comprends pourquoi t'as un récit qui grosso modo tient la route, avec au milieu 3 tonnes de merde qui ne s'intègrent pas du tout dans le reste de la saga. Mais surtout, ça veut dire qu'au final, ils étaient quand même 5 pour écrire ce script. Et c'est quand même dingue qu'à 5, y compris l'auteur original, ils sont pas foutus d'écrire un truc cohérent et de qualité supérieure ou égale à celle de Cameron, tout seul. Mais c'est là qu'il faut qu'on aborde le premier film, parce que pour beaucoup d'entre vous, le script du premier film est vraiment pas ce qu'il y a à sauver dedans. Et je pense que quand vous dites ça, vous passez à côté du fait qu'il était plus qu'important, essentiel, que le script du premier film soit simple. Le film fait 2 heures, et ce temps d'écran est entièrement dédié à montrer la découverte, l'acclimatation, l'apprentissage et finalement la maîtrise du monde de Pandora. Un écosystème crédible associé à une culture qui certes flirte avec l'idée du bon sauvage, mais il est bon de rappeler que ce n'est pas un concept créé pour discriminer contre les peuples natifs ou tribaux, mais plutôt comme une dénonciation des aberrations et injustices de la société dans laquelle vit l'auteur. Il cite son inconscience écologique, qui pousse les humains à piller les ressources de Pandora, au mépris de son équilibre naturel. Tout le film te fait comprendre que ce monde est une personnification de la nature, dont l'équivalent de la mère nature, Gaïa, ou comme vous voulez l'appeler, s'appelle Ewa. Les plantes interconnectées entre elles étant comparées à des connexions entre les neurones auxquelles les animaux, y compris les Na'vi, participent et apportent leur conscience, transcrivent l'idée que Pandora tout entière est un être vivant, sa faune et sa flore vivant en harmonie et en symbiose à l'intérieur du corps de cette planète. Engagé à l'origine pour accompagner la mission scientifique à laquelle son frère jumeau devait participer, raison pour laquelle il a un corps d'avatar à disposition, Jake se retrouve, par les hasards du destin, dans la tribu Omaticaya, à apprendre la culture des Na'vi, notamment à travers le personnage de Neytiri. L'objectif de Jake pendant tout le film est de découvrir, comprendre et finalement participer à cette symbiose, être incorporé dans ce monde plus juste, plus vrai, plus pur, ce en quoi il est aidé par une totale aphasie suite à la perte de ses jambes. Se définissant seulement éventuellement comme un Marine, Jake sera partagé entre son ancienne vie, sa mission visant à faire partir les Na'vi de leur habitat ancestral, et sa nouvelle vie qui lui fait comprendre l'importance du monde spirituel des Omaticaya et pourquoi il faut le protéger, et que ce peuple reste où il est. En rejetant son ancienne vie et en embrassant la nouvelle, des efforts quotidiens pour y vivre jusque dans ses légendes millénaires, Jake parvient à devenir Toluk Makto, leader mythique d'une tribu à laquelle il est né étranger, et à bouter son ex-peuple, les humains, hors de Pandora. C'est simple, oui, mais c'est fort quand tu t'y investis. Et pourquoi tu t'y investis? Bah parce que justement, le récit c'est pas 3 heures de géopolitique avec des retournements de ouf toutes les 10 minutes. Oui, le méchant est basique et caricatural. Ouais, les humains sont bassement motivés par l'argent et le capitalisme est représenté par une grande méchante giga-corporation. Mais c'est ça qui marche! L'intrigue, les enjeux n'existent que pour te permettre de t'intéresser à cette planète et à la culture Na'vi, et évite absolument tout risque de distraction pour ne pas briser l'immersion et l'expérience du spectateur. De la même façon que les scripts des jeux Quantic Dream sont basiques pour te permettre d'avoir une idée de ce que le jeu attend de toi. Tu vois quel cliché David Cage te met à l'écran et donc tu sais ce que le personnage doit essayer de faire. C'est parfois nécessaire d'avoir un script simple pour lui permettre de marcher. Et ça a marché!
L'environnement de cette planète a eu un effet quasi hypnotique sur le public. Les gens voulaient vivre sur Pandora, découvrir sa faune et sa flore. Certains ont même fait une dépression, une sorte de traumatisme du Père Noël. Mais pour le monde d'Avatar, déçu que ce ne soit qu'un monde imaginaire. Il y a des gens qui sont sortis de la salle et qui ont fait une dépression parce qu'ils savaient qu'ils pourraient jamais véritablement visiter Pandora. Car encore une fois, Cameron avait repoussé les limites du cinéma. Peu importe l'histoire, elle n'était pas folle, mais elle souffrait pas de défauts. L'univers lui-même était fascinant, et il était d'autant plus fascinant que rien ne nous en détournait. Qui plus est, il était rendu plus que crédible, tangible, grâce aux effets spéciaux révolutionnaires du film. Avatar était le premier film dont plus de la moitié se déroulait dans un univers totalement virtuel et pourtant 100% crédible et photoréaliste. Réaliste tout court même. Avec une alternance de plans caméra-épaule essayant de reproduire le regard humain pour le réalisme, et de plans paysages et contre-plongées grandioses, ainsi qu'un travail constant du rapport d'échelle pour le grand spectacle, Cameron avait à nouveau posé ses couilles sur la table, et tous les spectateurs du monde les lui avaient léchés. Et cette simplicité du script, c'est ce qui rend d'autant plus dingue que James n'ait pas été foutu d'écrire une suite cohérente! Si encore il faisait la suite d'un truc ultra complexe avec je sais pas combien de factions à gérer, je dirais pas, mais avoir été aussi clair et épuré sur le récit du premier film et complètement foiré sa continuation, limite faut le vouloir! Parce que non seulement ils s'y sont mis à 5, mais en plus ils ont mis 4 ans à élaborer l'arc général des 4 nouveaux films et le script d'Avatar 2 spécifiquement. Donc il avait le temps et l'argent. Mais au-delà de ça, il avait même la formation. Après Piranha 2, Aliens et Terminator 2, c'est quand même sa 4e suite, donc le mec sait gérer. Le mec est un artiste du divertissement, et même un artiste tout court. Vous saviez qu'il avait réalisé le fameux dessin de Kate Winslet dans Titanic? Et puis c'est un bosseur absolu du cinéma, qui nous habitue à de bien meilleurs efforts. Chaque film est un énorme défi à relever pour être à la hauteur de sa vision, le tournage en bassin de Abyss, les effets spéciaux par ordinateur révolutionnaires de Terminator 2, le tournage littéralement titanesque de Titanic, ou les technologies d'Avatar, tout ce que fait Cameron demande des années de travail. Mais donc, le script, même d'une suite, ça a jamais été un de ses problèmes. Et c'est quand même le seul truc de ce film qui lui a coûté que dalle. C'est un truc qu'on sait qu'il sait faire et sur lequel il a de l'expérience. Donc 12 ans et 5 auteurs pour nous prendre la bouse qu'est le script d'Avatar 2, ça fait quand même mal au cul. Faut quand même rappeler que quand le gars, après plusieurs retards, le film devant originellement sortir en 2014, et un rachat de son coproducteur, le mythique studio 20th Century Fox par Disney, a débarqué en nous vendant 4 suites avec potentiellement d'autres suites, tout le monde a un peu froncé les sourcils. Ok, Avatar c'était cool, mais y a-t-il vraiment autant d'histoires intéressantes à raconter que cela? Personnellement, je craignais une simple répétition en changeant de décor, au vu de ce qu'annonçaient les bandes-annonces. C'est un peu ce que je m'attendais à voir. C'est la suite du combat, quoi. C'est les humains reviennent, et puis maintenant c'est les enfants de Jake et Natiri, et c'est eux qui sont inclus dans le truc. Comme dans le premier film, on va avoir un résumé au début de 10-15 minutes de premier acte, pour nous présenter voilà ce qui s'est passé, voilà où est-ce qu'on en est, voilà mes enfants, mon fils, ma fille, etc. Dites bonjour les enfants, et ensuite on va partir directement dans une nouvelle histoire. Si c'est cette dernière option, si on fait juste 10 minutes sur les voir grandir et ensuite le reste de l'histoire, c'est quand même beaucoup copier-coller du premier. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais en même temps c'est à ça que servent ces vidéos, mais en ce qui me concerne, toutes mes peurs ont été confirmées. Alors voilà, Avatar 1 c'est fait, maintenant on va passer à Avatar 2 parce qu'honnêtement tout le monde m'a pété les couilles avec ce film. Chef-d'œuvre, leçon à Marvel, on dirait que sous prétexte que c'est réalisé par Cameron, c'est forcément le meilleur film du monde. Non! C'est absolument pas une leçon à Marvel, au contraire, c'est à peu près aussi cohérent qu'Avengers Endgame et Spider-Man No Way Home. C'est bourré de facilité, de contresens, et c'est à tous les défauts habituels des reboots qui essayent de relancer, ou ici lancer, une franchise, comme Star Wars 7. Alors laissez-moi une petite heure et les navires, je vais tous leur tailler un deuxième trou du cul, vous allez voir, ça va être aussi salé que les océans de Pandora! Allons-y pour Avatar 2 et la route bien hydratée! Le film commence par un plan dans la brume de la jungle pandorienne. Oh pardon, excusez-moi, je suis Benet, j'ai mis le début du premier film. Je me demande bien comment j'ai pu me tromper. Voilà, ça c'est le premier plan d'Avatar 2. À votre avis, c'est pour pas qu'on le reconnaisse qu'il a mis tellement de brume qu'on voit rien? Bon, c'est pinaillé, mais ce que je veux dire là, ça ne l'est pas. Ok, il a refait le même premier plan, mais il en a surtout fait 5 d'affilée avant qu'on arrive au personnage. Et pour moi, ça montre l'un des soucis du film. La quantité au-dessus de la qualité. Pour la simple existence de cette suite, bien sûr, mais soyons honnêtes, à quoi ils servent ces plans? Il met 5 plans sur des endroits connus du premier film, juste en mode « regardez, vous vous souvenez ?» Mais scénaristiquement, ils apportent rien, ces plans. Alors certains vont me traiter de dingue de m'attarder sur un truc pareil, mais c'était LE truc qui rendait Avatar 1 fascinant. Chaque plan était important. Chaque plan apportait une nouvelle information, une nouvelle espèce,
ou étaient utiles au scénario, illustrer un point de l'histoire. Et je trouve pas anecdotique, comme différence entre les deux, qu'on ait littéralement des plans qui ne soient là que pour la déco, pour faire joli, ou pour évoquer le premier film. Comme dans le premier film, alors celle-là, attendez-vous à ce que je répète souvent, parce que c'est un peu la base du problème. Comme dans le premier film, donc, on démarre avec une narration, un résumé en voix off par Jake, qui sert à faire un bilan de sa vie et une présentation du monde de Pandora. The forest of Pandora hold many dangers. Ah, tu dis ça parce qu'ils attaquent plus personne ? Et parce que depuis le premier film, Ewa, l'entité qui réside au cœur de Pandora, a fait en sorte que les animaux protègent le village des humains et n'attaquent plus les navires. En gros, toutes les espèces de Pandora sont devenues son système immunitaire contre les humains. Donc il doit plus y avoir beaucoup de dangers dans les forêts de Pandora. D'ailleurs, c'est marrant, c'était une caractéristique de la faune du premier, mais la faune aquatique, que dalle. Il y a deux prédateurs qui se battent en duel, c'est chelou. Hein. Mais bon, on y viendra. Donc, Jake nous explique que lui et Neytiri ont eu un premier enfant, Neteyam, puis recueilli Kiri, une enfant née du corps de Navi du docteur Grace Augustine, ce qui n'est pas logique, puisqu'elle est tombée enceinte soit quand ils ont voulu transférer sa conscience, soit avant, donc elle aurait dû accoucher avant Neytiri. Vous avez vu, Jake a sorti deux phrases, on a déjà deux incohérences. Il pue du cul, votre chef-d'œuvre. La naissance de Kiri reste un mystère qui sera probablement développé dans les suites, puisque, à la Star Wars 7, Cameron a préféré lancer plein de pistes pour les suites plutôt que d'écrire celle-ci de façon satisfaisante. Jake et Neytiri ont également eu Loak, qui sera un peu plus le personnage central que les autres, mais le film oublie complètement de le présenter, et Took, la dernière, qu'on oublie de présenter. En fait, il dit juste on est passé de 2 à 4, before I knew it, we had 4. Et ensuite on passe à Spider, mais on y revient à Spider. On peut voir que la culture des Navi est devenue vachement proche du christianisme classique, puisqu'on joue avec un collier de perles comme si c'était un chapelet, même si les boules symbolisent ici les événements personnels, et on a une communion pour les jeunes enfants. A bead for the first communion with Ewa. Je dis pas tant ça parce que j'ai énormément de mal avec les religions, notamment la religion chrétienne, mais c'est pour signaler que sur bien des aspects, t'as l'impression que James Cameron a oublié le monde qu'il avait créé entre les deux films. Les Navi, en principe, c'est des Indiens d'Amérique, avec un soupçon de tribus africaines puisque les trois quarts du casting Navi sont afro-américains, et une inspiration polynésienne pour les tribus de l'eau. Les seuls blancs sont les étrangers, et donc maintenant les enfants de Jake. Du coup, des échos du christianisme, et même des autres religions monothéistes, judaïques et musulmanes, c'est pas vraiment ce à quoi m'habitue Avatar, et dès l'intro, ça me saute un peu à la gueule que tout a beaucoup changé. Et là, on est encore sur des éléments relativement non importants, vous allez voir que d'ici très peu de temps, ça va devenir compliqué. Passons sur le fait que Jake nous rappelle qu'il était un Marine dans le premier film. Happiness is simple. Who would have thought a jarhead like me could crack the code? On y reviendra. Et passons à l'un des éléments les plus absurdes de ce film, dans tous ses actes et aspects, Spider. And then there was Spider. Too young for a cryocapsule. He was raised by the lab guys. He wasn't part of our family. He was like a stray cat, inseparable from our kids. To Neytiri, he would always be alien. One of them. Ok, déjà, c'est parce qu'on est dans Disney que les mères disparaissent dans ce film. Je fais un micro aparté, mais Neytiri aussi, hein, elle disparaît de l'intrigue. On dit même pas si elle est morte, mais pourquoi personne n'a adopté ce gamin? Il est élevé par les scientifiques, ok, il dort où? Il vit où? Il est dans un orphelinat, il y a d'autres enfants? Pourquoi on peut pas mettre des bébés en hyper-sommeil et les renvoyer sur la Terre? Dites pas que c'est parce qu'ils sont en plein développement, hein, c'est la même chose pour leurs avatars, et dans le premier, ils précisent justement qu'ils peuvent finir de maturer pendant le voyage. Bon ok, il va se réveiller à 12 ans en bavant, on a besoin d'être pour se torcher le cul, mais ça va pas encore vite à cet âge-là. Spider, ce sera une énigme pendant tout le film. Tu sens qu'ils avaient aucune idée de comment expliquer ce qu'il fout là et ce qui lui est arrivé pour finir par devenir ce que le film veut qu'il soit, un des enfants adoptés de Jake. Alors pourquoi il voulait de Spider? C'est que l'intro, vous en faites pas, on y reviendra, mais pour faire simple, Spider est un des personnages qui sert à reproduire le problème posé par Jake dans le premier film. Est-ce qu'un humain peut devenir Navi? De façon plus large, est-ce que les humains peuvent changer? We will see if your insanity can be cured. Et typiquement, ça montre le souci de répétition de ce film, parce que cette question, on l'a réglée dans le premier film, avec Jake. Je trouve d'ailleurs absurde que Cameron ait écrit Neytiri comme une raciste absolue, la seule de la famille à avoir un souci avec Spider. S'il y a bien une meuf chez les Navi qui doit voir chez un humain le potentiel de devenir un des leurs, ça devrait être Neytiri. Elle sort littéralement avec l'un d'eux. Et en plus, c'est un enfant, il a jamais été élevé pour avoir un problème avec les Navi. Pourquoi elle le craindrait? Jake, à l'époque, avec tous les problèmes qu'ils avaient déjà eu avec les humains, je comprenais. It is hard to fill a cup which is already full. Mais Spider? My cup is empty.
Et puis survient un autre problème de ce film, car malgré ses 3h12, tout est abordé extrêmement superficiellement. C'est une intro pour nous présenter le film, et on a appris qu'il avait 4 gosses. Gosse numéro 1, gosse numéro 2... And the rest. En revanche, je veux défendre le film sur un point. Beaucoup de gens ont demandé pourquoi tous les navis parlaient anglais, y compris dans Le Peuple de l'eau. Et c'est tout simplement un contrat que le film a passé avec nous au début. Now when I hear it, might as well be English. Comme Jake comprend la langue navi comme l'anglais, et qu'il est plus ou moins à notre point de vue, on le comprend comme lui. Quand c'est Quaritch, on ne comprend pas les navis. Jake nous apprend ensuite que les humains ont fait leur retour sur Pandora avec leur armée de Terminator dans un océan de flammes, cette fois-ci dans l'intention d'envahir la planète entière et pas simplement de piller ses ressources, la Terre étant totalement détruite. Raison pour laquelle il faut en sorte de cramer le plus de choses possible en arrivant, parce qu'il faut être clair, les humains sont très très cons. Le récit reprend un an plus tard avec le réveil du colonel Quaritch, le méchant mort dans le premier film, qui, comme Jake dans le premier film, se réveille dans l'espace, et pour réunir avec une autre scène de réveil de Jake, dans un nouveau corps d'avatar. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à péter un câble. Quaritch, c'est la preuve absolue que Cameron s'est violemment battu les couilles de son récit. Il avait envie de faire revenir Quaritch parce que c'est plus simple que de créer un nouveau méchant, et alors qu'il a littéralement créé un monde basé sur la réincarnation, ou en tout cas qui possède une après-vie, James et ses co-scénaristes nous ont sorti l'excuse la plus pétée possible. So, see this? This is all your memories and your personality. Right. We're gonna send this back to Earth where you're growing in a lab as we speak. We're gonna imprint you with it. Rien qu'avec cette idée, Cameron fout complètement en l'air la cohérence de la saga. Au lieu d'emprunter le chemin logique et faire voyager l'esprit des humains morts sur Pandora dans des corps de Navi, en ayant contaminé EUA avec leurs esprits humains, ce qui aurait pu donner des trucs cool avec tout un tas d'ados rebelles qui auraient pu fomenter leur coup dans leur coin pour se venger, eh ben non, on a fait une petite sauvegarde rapide de son cerveau. Oh ben ça, ça tombe bien alors. Et j'insiste, c'est rapide, hein. Ça a été fait juste avant qu'il parte battre contre Jake. Et ça fout la merde partout dans le premier film. D'une part, ça rend absurde ce qui arrivait à Grace. Les scientifiques possédaient toute la technologie liée aux avatars. Ils étaient les seuls à l'utiliser. Ils l'avaient inventée. Pourquoi ils n'ont pas pensé à faire une sauvegarde de l'esprit de Grace au lieu de risquer l'échec avec Ewa? Son corps humain était condamné. Alors certains vont évoquer une scène qui vient un peu plus tard et me dire « C'est pas exactement une sauvegarde, c'est juste des souvenirs. » I'm not that man. But I do have his memories. Faut quand même vous rappeler, on va y revenir, que c'est un moment où il ment pour se mettre Spider dans la poche, et vu qu'il se souvient de tout, agit pareil qu'avant, tout comme ses camarades, faut arrêter le délire, c'est une sauvegarde de ton esprit, ton âme, de tout ce que tu es. Et puis alors en dehors de Grace, ça rend aussi absurde l'histoire de Jake. On nous a martelé dans le premier film que créer un avatar ça coûtait la peau du cul, et qu'il considérait comme une bénédiction d'avoir eu le jumeau du mec sous la main. Vous allez me dire qu'en préparant un truc pareil, ils se sont pas dit « Tiens, au cas où il y aura un problème, on va faire des sauvegardes régulières de l'esprit du gars pour lequel on développe un corps hors de prix. » En science, il y a des précautions pour l'éventualité d'une éventualité. S'ils avaient les moyens de sauvegarder en quelques secondes l'esprit du pilote, je vous assure qu'ils l'auraient fait. Et pour ajouter une petite incohérence, on a fait une sauvegarde et un corps navi pour tout un escadron de soldats, c'est-à-dire le truc le plus cheap et remplaçable d'une guerre. D'autant que, je le rappelle, les gars ont dépensé des millions de dollars pour amener à la vie un gars qui avait échoué dans sa mission. Pourquoi investir autant sur ces gens qui en plus ne feront rien de spécial avec leur capacité de navi pendant tout le film? Après la scène de vestiaire à la Aliens, ils disparaissent complètement. Et vous allez me dire, mais ils auraient servi à quoi? Bah ils auraient pu montrer une différence entre des navis convaincus et des gens qui se prétendent navis. Parce que juste leur donner des fringues d'humains, on l'a déjà vu en fait. Chacun aurait pu être un exemple de rejet de leur idéologie. L'un d'eux aurait pu se scarifier comme dans Abyss parce qu'il aurait détesté son corps. Un autre aurait pu représenter le consumérisme américain et nous offrir le premier fat navi de la saga, un visuel qui montrerait que nos façons de penser sont différentes. On aurait pu avoir un avatar dans un délire religieux sanguinaire, en triturant les enseignements d'Ewa et en les interprétant autour de la mort et non de la vie. Là, non. Rien. Vite fait, t'as un plan sur une qui mâche un chewing-gum et puis tu les vois crever à la fin. Sinon, ils servent à rien. Allez, encore une incohérence pour la route. Qu'on ait fait la sauvegarde de son cerveau avant ou après qu'il enregistre son message, comment le gars peut n'avoir aucun souvenir du fait qu'on ait pris son ADN à l'avance, parce que son corps est toujours sur Pandora, et qu'on ait sauvegardé son esprit pour le mettre dans le corps d'un clone hybridé avec un navi?
Cette vidéo, elle est là pour nous l'expliquer à nous. Mais il devrait s'en souvenir. Ils ont pas sauvegardé son esprit sans lui dire pourquoi. Et puis tant qu'on y est, pour finir, si on peut réaliser des clones, y compris d'aliens, y compris hybridés, ça rend caduque les trois quarts des problèmes des humains et les rend encore plus cons. Vous voyez peut-être pas de quoi je parle, mais on y reviendra. Et enfin, pourquoi un clone hybridé avec un avis? Pourquoi pas le faire humain? Parce que tout ce que ça change pour lui, c'est qu'il peut se promener sans masque et se battre à main nue. Oh, ils auraient pu faire une armée de Quaritch! Le plus important dans tout ce truc avec Quaritch, cela dit, c'est que passé la surprise d'être dans un corps Navi, tout ça ne le fasse pas beaucoup. On y reviendra plus à la fin, mais alors que comme il le dit, il est dans le corps de l'ennemi, et que c'est le deuxième personnage sur lequel on reproduit le parcours de Jake, il n'en tire rien du tout, et cela ne changera absolument rien à sa vision du monde. Si être dans un corps de Navi ne change rien, alors t'illustres juste que certains humains seront toujours trop cons pour changer. Et c'est un petit peu le message du premier film, et c'est martelé chaque seconde du second. Donc merci, le gars, c'est Captain Obvious, quoi. Ou littéralement Colonel Obvious. Ça sert à quoi? Et puis bon, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais le méchant qui revient, parce qu'on n'a pas été foutu de trouver mieux, avec une explication pourrie et une famille cachée, on y revient très vite. C'est exactement ce qu'on a reproché avec l'Empereur dans Star Wars 9. Somehow Palpatine returned. Il n'y a pas de raison que ce soit plus acceptable dans Avatar 2. Après, je dis ça. Nous voilà revenus au statu quo. La situation sur Pandora est exactement celle du premier film, et le script du deuxième va consister à rejouer le script du premier film avec des contextes et personnages différents. Notamment, comme on a commencé à l'aborder avec Spider et Quaritch, la reproduction du parcours de Jake, sa transition d'une culture à une autre. Et je veux dire, il a voulu rebooter, c'est son choix, de toute façon on va pas faire revenir les humains, il n'y avait pas 36 façons de faire une suite. Encore que, il aurait pu trouver une histoire 100% propre à Pandora, mais y trouver une menace briserait l'image de paradis harmonieux. La vraie question c'est, pourquoi avoir aussi mal écrit ton reboot alors que t'avais tout sous la main pour bien faire, Jimmy? Pourquoi? Pourquoi? Le récit commence vraiment avec une attaque de train, tout ce qu'il y a de plus classique, pendant laquelle l'un des fils de Jake, Lohak, met en danger son frère Neteyam en voulant faire le kéké sur le champ de bataille, ce qui pour lui est plus qu'une habitude, on peut dire que c'est une tradition. C'est quasi sa personnalité, foutre ses frères et sœurs en danger. Après cela, Quaritch confie à son équipe leur mission, traquer et tuer le leader de la résistance Navi, Jake Sully, et nous retrouvons la famille Sully alors qu'elle arrive dans le nouveau village des Omaticaya, installé au creux des montagnes Alléluia, probablement pour échapper à la détection du matériel humain, ce qui fait sens. Ça fait toujours plus de sens que ce que sort Jake et son fils après l'avoir engueulé pour sa bêtise lors de l'attaque. Get that crap off your face. Cette merde! Cette merde! C'est des peintures de guerre à la signification ancestrale. T'as passé tout le film d'avant en admiration devant. Même pour engueuler ton fils, t'en parles pas comme étant cette merde! C'est en ça que je dis que j'ai l'impression que Cameron oublie le premier film parfois. Tout le film d'avant montrait Jake développer du respect pour la culture des Navi, et dans ce film, il va passer son temps à l'ignorer ou la dénigrer. Ce qui va causer les problèmes des personnages. Bref, continuons. Juste après, on a un des premiers indices sur la spiritualité autour de Kiri, puisqu'on la voit donner des conseils à la Tsahik, la chamane, sur quelle herbe utiliser pour traiter une blessure sans piquer. Puis on apprend par Neytiri que Jake a élevé tous ses enfants à la militaire, à suivre des ordres et à s'entraîner, c'est pas un squad. C'est une famille. Y compris à manipuler des armes à feu d'après Lohak. Dad taught me. Et comme je vous le dis, c'est étrange quand même, vu que tout le délire du premier film, c'était que Jake abandonne le peu de choses qui lui restait de sa vie, son appartenance à l'armée. I was a marine. A warrior of the Jarhead clan. Pour renaître en tant que vrai Navi, qui vit selon leurs us et coutumes. Pourquoi maintenant le mec éduque ses enfants comme un père militaire humain typique? One dismissed. Jimmy! James! Pourquoi t'as oublié le premier film? James! Mais vous allez voir, on n'en a pas fini avec cet aspect. De leur côté, les enfants reviennent au camp de base des Avatars. On sous-entend un début de romance entre Spider et Kiri,
Après quoi, les jeunes se demandent qui a bien pu mettre enceinte l'avatar de Grace, et on sous-entend que le père de Spider ne serait pas une bonne personne. Sometimes it's not so great to know who your father was. C'est qui la mère? Je crois qu'on dit son nom, mais c'est qui la mère? Parce que je veux pas faire ma féministe, hein, mais encore une fois, les mères sont les grandes absentes de ce film. Peut-être que le gamin peut se définir par rapport à sa mère, plus que par rapport à son père, déjà. Je veux dire, il est pas manchot en principe pour ce qui est d'écrire des personnages féminins, le James. Mais dans ce film-là, si t'es pas un père ou un gosse, tu sers vraiment à rien. Quaritch débarque enfin sur Pandora dans un vaisseau cargo et avec un masque, comme Jake dans le premier film, et rencontre la militaire en charge de l'invasion humaine, qui aurait pu faire une très bonne remplaçante pour lui, mais qui disparaîtra totalement du film d'ici une scène. Je voulais quand même revenir sur elle deux secondes parce que j'adore qu'il refasse le coup de la tasse à café du premier film. Mais elle, elle la porte avec son exosquelette. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour définir le perso, quoi. C'est le genre qui détruit une fourmilière avec un bazooka. Et j'adore, autant que j'adorais, l'excès absolu de testostérone qu'était Quaritch. Et oui, mais non. Comme dans le premier film, on a alors droit à un briefing avec un hologramme de la situation sur Pandora. Et si je peux noter un truc, on parle pas vraiment de la situation des humains. Je veux dire, dans le premier film, c'était principalement de l'exploitation de ressources qui les motivait. Maintenant, il y a un impératif. La Terre meurt. Ça change un peu la donne quand c'est plus un caprice capitaliste, mais une nécessité. Mais les humains agissent exactement comme avant. Rien ne change vraiment dans leur mentalité. On débarque et direct on crame des milliers d'hectares de forêt, on déboise pour reconstruire les bâtiments en béton, on génocide des espèces animales de façon irraisonnée. Des cons absolus qui viennent pour prendre sans poser de questions. Si la Terre est vraiment sur le point de crever, on pourrait peut-être apporter un peu de nuance à tout ça, non? Chercher un compromis, genre une réserve, ou développer des hybrides de certains animaux et plantes qui pourraient grandir sur Terre et changer notre écosystème. À ce stade, on peut même questionner la bonté des navis s'il n'y a même pas une discussion pour essayer de savoir comment aider les humains. Mais bon, c'est pas vraiment compatible avec le message que veut faire passer Cameron. Vous savez, c'est à peu près aussi compatible que l'atmosphère de Pandora et les humains. Après ce petit briefing, Quaritch et sa troupe sont envoyés, comme dans le premier film, pour le même genre de mission de reconnaissance, avec, comme dans le premier film, une rencontre entre un prédateur et une proie, deux mondes différents. Jake et les animaux de Pandora, les enfants navis de Jake et les soldats de la Terre. Ces enfants sont en effet le moteur des trois quarts des événements du film, et ce pour la même raison, à chaque fois, ils sont complètement débiles! Loak en particulier sera la base des problèmes, cherchant toujours le danger, comme dans l'attaque du train qu'on a vu au début, mais cherchant toujours également le moyen de mettre le reste de la famille en danger, notamment sa plus jeune sœur, Took. Bro, why'd you bring her anyway? Ah oui, il est bro à tout bout de champ aussi, belle façon de tuer la magie des navis, James. Bro, why'd you bring her anyway? She's such a crybaby. I'll tell mom if you don't let me come. Don't pick on her. Fool of a Took. C'est donc, après quelques escapades autour des ruines de la bataille du premier film, qu'on les interdit de visiter, et une petite séquence de mysticisme où on illustre la très forte connexion entre Kiri et Ewa, puisque comme son père, elle se fait asperger par les divins spermatozoïdes, qu'il rencontre Quaritch, qui les capture, ce qui va nous mener à une des révélations les plus atroces de ce film. Miles. Spider est le fils de Quaritch. Quaritch! Quaritch! Le gars psychotiquement obsédé par son job, qui trouvait du temps pour rien d'autre, qui méprisait sa propre survie, a trouvé le temps de se taper une meuf! Et de suivre suffisamment l'affaire pour savoir qu'il y avait eu un gosse! Et c'est là que je dis que c'est mal écrit, parce que en soi, tu peux le faire marcher son tournement, c'est pas un cliché pour rien. Mais là, c'est fait de la pire façon qui soit. C'est juste ça. Il a couché avec une meuf hors cadre, il a eu un enfant hors cadre, dont il ne s'est certes pas occupé, mais hors cadre. Bref, c'est la même chose que sa foutue résurrection. Ta gueule, c'est de la SF, et puis de toute façon, j'en ai besoin pour mon script, donc je le fais. Ça aurait eu infiniment plus de sens s'il avait ignoré son existence, si Spider était né après sa mort. Mais ça emmerde les scénaristes parce qu'ils veulent le... Miles. Quand ils se rencontrent. Parce que sinon, faut trouver un moyen de lâcher dans les conversations qu'il est son fils et ça aurait été compliqué. That's where your dad and my dad fought. Et non, même ça, ça leur a été offert sur un plateau. Il a fallu qu'ils trouvent l'explication la plus expéditive, pourrie et qui les arrangeait.
Je hais ce putain de script. Sometimes it's not so great to know who your father was. Bref, parce qu'on a quand même une prise de tâche sur le feu, Jake et Neytiri, alertés par Loak, parviennent à intervenir et à faire libérer leurs enfants, mais, comme dans le premier film, la rencontre entre le prédateur et la proie se solde par l'arrivée d'un personnage dans l'univers d'une tribu qui lui est inconnue. Jake arrive chez les Navi Omaticaya dans le premier, dans le 2, Spider arrive chez les militaires humains belliqueux, et Jake et sa famille vont arriver, à cause de cet événement, chez le peuple de l'eau. Et c'est là que ça me gonfle. Entre le méchant qui est le même, le parcours du héros qui est le même, le principe même de l'histoire, découvrir un monde inconnu qui est le même, j'ai entendu tellement de « Oh là là, James Cameron, il fait la leçon à tous ces blockbusters merdiques, ça rassure de voir ça marcher par rapport à Marvel, enfin du bon cinéma !» Et je trouve ça super ironique parce qu'à mon sens, vous êtes juste fait avoir par la plus vieille technique du monde. Faire la même chose avec un nom un peu différent et vous le faire accepter parce que c'est joli. Ou on a changé 2-3 trucs par-ci par-là. Avatar 2, c'est Avatar 1, légèrement réarrangé, avec rien de plus intéressant à ajouter. Star Wars 7 ! Il vous a fallu des années pour accepter qu'il était peut-être sympa à regarder, mais qu'il était complètement calqué sur le premier film et qu'il n'y apportait rien de nouveau ! Ou de bon ! Il a fait pareil. Il a rebooté l'histoire. Non, je suis désolé, Avatar 2, c'est pas de la qualité, c'est de la poudre aux yeux. Un remake reboot, mal camouflé ensuite, et écrit à la va-vite. Ironique, quand ils ont quand même eu 12 ans pour le faire, et ils étaient à 5. La rencontre entre les enfants et Quaritch est LE pivot dramatique majeur de Avatar 2. Le vrai début de l'histoire. Tout ça, c'était qu'une introduction, en fait. Maintenant que ses enfants ont été mis en danger, le Jake, bah, il veut protéger sa famille, et pour ça, il décide de se casser. Alors, passons outre le fait que ça ne colle pas du tout avec les 45 minutes d'intro qu'on vient de se taper. Les enfants, je vais vous élever à la militaire pour que vous soyez prêts à affronter le danger. Oh papa, regarde! Du danger! Fuyez! Passons outre le fait que le vrai problème de cette situation, c'est que Spider soit capturé par l'ennemi, qu'il risque de donner des infos sur tout le clan et pas juste sur la famille de Jake, et que donc la bonne solution à ce moment du film serait de monter une opération pour récupérer Spider, pas de fuir la queue de Navi entre les jambes. S'ils partent, Spider continue de mettre en danger le village, il y a que sa famille que ça protège de se barrer, et lui, donc sa décision est profondément égoïste, hypocrite même. Passons outre également le fait que si Jake s'assure qu'un nouveau chef a pris le contrôle du village, il est le seul Navi à connaître les technologies et stratégies humaines, qui heureusement n'ont pas changé en 20 ans, hein, même pas quand on s'attaque spécifiquement à lui parce qu'il a des connaissances sur les humains, et que donc son départ met le village qu'il est mettant bien plus en danger que s'il y restait, passons outre le fait que s'il voulait vraiment protéger sa famille, il l'aurait envoyé elle ailleurs, gardant l'attention sur lui en restant au village pour les aider à se défendre, le gars sait que cette fois-ci, les humains viennent pour le monde entier, pour établir une colonie durable, qui vont explorer la planète entière et sont prêts à raser des forêts pour retrouver Jake, et ils pensent vraiment que se déplacer plus loin, ça va changer quelque chose ! Et puis au passage, dans n'importe quel film qui commencerait comme ça, le but ce serait de revenir à l'endroit qu'on a été forcé d'abandonner, pas de rester là où on a fui comme ici. Mais le truc qui me choque le plus, c'est que bien qu'on montre la réticence de Neytiri à quitter son village, sa culture, sa personnalité, bien que personne à part Jake ne veuille partir, on traite ça comme un père qui force la famille à déménager pour son nouveau travail. Le truc, c'est que chez les Navi, les liens qui les lient à leur terre sont bien plus profonds et spirituels que ça. Mais le film s'en souviendra qu'à la fin, pour justifier qu'il reste chez les Metcaïna. Ce qui te montre que toute la symbolique spirituelle qui avait charmé le public, il s'en fout, Jimmy. Il veut sa saga aquatique. Le film ne se rappelle de ce qu'il est que pour justifier ce qu'il veut être. Et c'est plus que l'effort minimum quand tu fais une suite. C'est juste pas faire l'effort, en fait. Comme avec Quaritch. Enfin, ça se voit qu'il fait aucun effort. Regardez l'argument de Jake pour partir. Look, I got nothing. I got no plan. Eh ben, t'attends 2 jours pour y réfléchir. Connard. Vraiment, Cameron, il s'en bat les couilles, en fait, de la forêt. Il voulait filer son délire de l'eau pendant 4 films, donc Jake et Neytiri déménagent, avec leurs enfants qui détestent ça comme si on était un film pour enfants des années 90. Et maintenant, Avatar, une saga définie par la jungle, est une saga aquatique. Alors oui, on va explorer de nouvelles tribus dans les suites. Et oui, ce seront bien les tribus du feu, de la glace, sans doute du vent, parce qu'il n'a aucune inspiration à ce point-là. Mais ils le disent à la fin du film. Maintenant, l'océan, c'est chez eux. Donc c'est toujours là qu'on reviendra, pas à la forêt. Et puis alors tout ça, c'est les incohérences du côté de Jake et sa famille. Mais du côté des humains, si Jake est plus le leader de guerre et qu'il aide plus les tribus à se défendre,
Ce qui, moi, m'a immédiatement fait penser qu'ils allaient se faire exterminer, les gars de la forêt, et que Jake devrait revenir plus tard pour les aider, mais non. Mais donc, si Jake est plus le leader de guerre, la mission, elle est accomplie en soi. Pourquoi ils essaient encore de le choper? Ils ont eu ce qu'ils voulaient, il est plus là, il aide plus. Oui, Quaritch a une dent contre lui, et n'est Thierry qui l'a tué. Mais il a le soutien de tout le monde pour gaspiller toutes ses ressources dans une mission accomplie. Et ils ont le champ libre pour raser Pandora, une dizaine de fusées, et on n'en parle plus. Et là, on devrait passer à la suite. Mais si je dis beaucoup que l'histoire est mal fagotée, là, c'est au niveau du montage qu'il y a un truc qui va pas. Parce qu'on a la scène de torture de Spider, où l'armée essaie de savoir quel clan pourrait abriter Jake, avant les scènes de départ. Ce qui rend les questions de la militaire un peu absurdes, parce que d'un côté, elle demande où est caché son clan, historique, les Omaticaya, mais en même temps, elle lui demande où il a pu se cacher. Mais donc, à ce moment-là, ils sont pas encore cachés. Donc ça a pas de sens qu'elle pose des questions pour avant et après leur départ. À se demander s'il devait pas y avoir deux scènes de torture qu'ils auraient réunies en une pour éviter la répétition. Quelle ironie. Mais vraiment, soit fallait retirer une des deux questions, soit fallait déplacer cette scène après les scènes de départ de Jake. Parce qu'elle peut pas à la fois lui demander où est son clan historique, et soupçonner qu'il en soit parti. Et si Jake et sa famille étaient partis, Spider aurait aucune idée d'où il pourrait aller. Il était pas là quand ils sont partis. Ils sont pas encore partis. Cette scène de torture enchaîne directement avec un classique, le méchant qui se fait passer pour pas méchant afin de s'attirer la sympathie de quelqu'un lié au gentil et d'essayer de lui nuire. C'est la fameuse scène où il dit I'm not Batman. But I do have his memories. Et le problème, c'est bien que ça marche. Je trouve ça dingue que personne n'ait de problème avec cette scène. Faut quand même se rendre compte. Le gamin, depuis son enfance, il entend les récits de ce que son facho de père a voulu faire aux parents de ses meilleurs amis, quasiment sa famille adoptive, et à toute la faune et la flore de la planète qu'il adore. Quaritch vient littéralement de le kidnapper et de menacer tous ses amis. Il est exactement ce qu'on lui a vendu, jusqu'au discours copain-copain, puisque, pour ne pas renier la tradition, cette scène est un parallèle de celle où Quaritch amadouait Jake en lui proposant de lui rendre ses jambes. You get me what I need, I'll see to it you get your legs back when you rotate home. I can't help you. I can get you out of here. Et Quaritch ne fait rien pour contredire tous les récits qu'il a entendus sur lui, ou montrer qu'on propose à Spider quelque chose d'extraordinaire qui pourrait le tenter. Pourtant, Quaritch y débarque et il sort « Oh, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois !» But you gave them nothing. I respect that. I'm not going to ask you to betray Jake Sully. I know you'd never do that. You're loyal and I admire loyalty. Et ce blaireau intersidéral, il ouvre la bouche et lâche son fromage! Parce qu'il va accepter d'accompagner Quaritch et de lui confier les vrais secrets des navis! Confirmant que tout flatteur vit aux dépens d'un idiot! Mais je sais, Jean de La Fontaine avait dit de celui qui l'écoute, j'ai fait une adaptation moderne. Je sais qu'il est jeune, impressionnable et en difficulté à ce moment, mais le comportement de ce gosse n'aura aucun sens et on a très peu ici aussi. Même s'il le croit quand il dit que c'est pas vraiment Quaritch. Il peut pas lui faire confiance si facilement. Bon, bien sûr, il y a ce que Quaritch lui dit à la fin de cette scène, quand il lui dit que c'est le suivre, ou retourner dans la machine de torture qui lit les pensées. Et vous allez voir, au fil du film, ils vont travailler un doute autour des allégeances de Spider, et à mon sens, ça ne marche pas du tout. Un parallèle facile à faire avec un autre film où ce genre de tension ne marche pas, c'est encore une fois Star Wars, mais cette fois-ci pour parler des prequels et de la trilogie originale. J'ai toujours beaucoup moins accroché à l'original, parce que j'ai toujours trouvé assez ridicule que Vador et l'Empereur essayent de convertir Luke au côté obscur, alors que le mec est un parangon de vertu depuis sa première seconde à l'écran. Son seul défaut, c'est d'être impatient, mais il est jamais vraiment énervé et ne s'énerve de toute la saga que quand Vador menace Leia. C'est quelque chose que la prélogie corrigeait, naturellement, en montrant le caractère instable d'Anakin bien avant l'épisode 3 et son passage au côté obscur. Dans l'histoire de Spider et Quaritch aussi, je sais pertinemment qu'il n'y aura aucun risque pour que Spider change de camp. Mais tout le film est écrit pour te faire croire que ça pourrait arriver. Et c'est complètement con. Spider a délaissé sa famille humaine pour aller dans la jungle, ok? Pour autant, il ignore pas le monde des humains. Ayant été élevé dans les labos, seul endroit dont il peut respirer l'atmosphère de la planète, il a passé beaucoup de temps avec eux. Son choix, il l'a déjà fait. Et je vois même pas pourquoi le film essaie de te faire croire qu'une relation avec Quaritch pourrait le tenter tellement c'est absurde. Mais là ça y est, l'acte 2 est atteint. Jake et sa petite famille, qui en 48 minutes s'est déjà foutu par deux fois dans la merde à cause du comportement des enfants, et notamment de Lewak, partent pour rejoindre la tribu de l'eau, pendant que Spider rejoint la tribu des humains, ou pourrait-on dire des Jarhead, soit le parcours inverse de Jake. De son côté, Quaritch aussi reproduit le parcours de Jake,
lui insensible à son changement de situation. Il nous reste 2h13 d'Avatar et le chemin mouillé, et figurez-vous qu'elles vont pas être très longues à résumer, parce que c'est le premier film, mais il se passe rien. Et justement, ça va être l'occasion d'aborder la question de cette répétition, parce qu'en fait, répéter le premier film, ou les autres films de Cameron, c'est pas le problème. Et vous le savez si vous avez déjà vu les autres suites de James. Le problème, c'est de rien proposer de plus intéressant que l'original. Cameron est un habitué de la pratique de faire du deuxième film le premier en plus gros. Même si le premier n'était pas de lui, c'est ce qu'il a fait pour son Aliens, en changeant radicalement les conditions du script également. Enfermé avec la créature dans le premier, réfugié à l'intérieur dans le 2, sur une planète avec une atmosphère respirable et non entourée de vide spatial, avec plusieurs aliens au lieu d'un seul. C'est aussi ce qu'il a fait avec Terminator 1 et 2. Le script du 2 est littéralement un décalqué du premier dans le type de scène, en plus gros parce qu'on a le budget. Par rapport au premier, on peut même dire qu'on a un budget. Et les tout nouveaux effets spéciaux par ordinateur. Il répète le début avec la scène dans le futur, l'arrivée des deux voyageurs temporels, un Schwarzy et un mec lambda, Sarah en scooter et John en moto, le même nombre de courses-poursuites, l'assassinat de tes proches comme victime collatérale qui se joue autour d'un coup de fil, mais il le fait en plus gros où il ajoute et modifie pour aller au-delà. L'hôpital psychiatrique où est enfermée Sarah, qui n'est plus une fille fragile et légère mais une guerrière tendue comme un string, le gentil Terminator, le modèle en métal liquide et toute la dynamique mère-fils qui grosso modo est celle que Avatar 2 essaye de reproduire, le parent militaire, le gamin rebelle qui doit obligatoirement flirter avec la grandeur, au point que la tresse qui pend devant les cheveux de Loak soit une référence assumée à la mèche de Edward Furlong dans Judgment Day. Mais il y a deux problèmes dans la duologie Avatar par rapport à la duologie Terminator qu'elle essaye de copier. D'abord, c'est pas plus gros, ça on va y revenir dans cette partie en abordant le monde de l'eau, mais rien dans ce film n'est supérieur au premier ou plus impressionnant que ce qu'il y avait dans le premier, que ce soit dans le script, puisque les menaces et péripéties sont grosso modo les mêmes, ou dans la technique. Les nerds, comme moi, sont impressionnés par l'eau, mais la plupart des gens voient juste que ça a l'air réaliste et ne mesurent pas forcément la difficulté de ce genre d'effets spéciaux, qui produisent donc un effet similaire, pas supérieur, à celui du premier film. Le deuxième problème, c'est qu'en essayant d'appliquer les schémas de ces anciens films sur celui-ci, il se rend pas compte, ou il s'en fout, que le contexte n'est pas le même et que du coup ça marche plus, ou alors ça vient contredire et créer des incohérences avec le premier film. Un truc tout bête, c'est que là où le casting de Terminator 1 et 2 contenait le même nombre de protagonistes ayant un arc narratif, Sarah, le gentil, le méchant, tout ce que t'avais ajouté c'était John, dans Avatar 2, en plus de récupérer tous les persos du premier, on en met des versions plus jeunes et on en ajoute. Donc quand déjà tu surcharges le film de persos, c'est dur ensuite de faire fonctionner les thèmes que t'essayes de recycler des films précédents. Notre Loak, qui est grosso modo John, tout aussi légèrement plus mis en avant que les autres qu'il est, il a trois frères et sœurs, on n'a pas abandonné Jake, et il y a Spider et Quaritch à côté. Donc en fait, il n'y a pas le temps de travailler toutes les scènes de relations parents-enfants autour desquelles le film pense tourner comme Terminator 2. Il y a trop de gosses! Ils prennent pas la pilule sur Pandora? On ne viendra pas dessus en dehors de ce segment, mais il a une seule vraie scène de discussion avec Kiri, parce qu'elle entend Ewa et se sent différente, comme n'importe quel hippie en Sarwell de lycée. C'est le seul moment de connexion entre Jake et un de ses enfants, le seul où il essaye d'écouter. Le reste du temps, il les écoute jamais, et donc ne parle pas avec eux, et donc leur relation n'est jamais vraiment développée ou abordée. C'est peut-être l'enjeu du film, Jake qui apprend à écouter ses enfants, et oui, ça marchait peut-être quand c'était entre Sarah et John, mais dans Terminator 2, ce parcours pour le parent faisait sens avec le premier. Suite aux événements du premier film, Sarah sait quel futur atroce attend son fils et doit l'y préparer, ce qui peut l'amener à être parfois trop dur et fermé avec lui. Notamment quand il a que 11 à 13 ans et qu'il ne vient pas d'une tribu basée sur la spiritualité et le lien avec l'autre, ou l'écoute. Mais Jake, c'était sa leçon du film d'avant, d'écouter et comprendre l'autre avec un A majuscule. C'est le truc des navis, je te vois, je t'entends, je t'écoute. Donc le parent militaire surprotecteur est trop dur à la fois, il marche pas dans ce film, pas dans ce contexte. Et il a aucune raison de craindre son antagoniste au point de le pousser à éduquer ses enfants à la dure. Sarah fuit les Terminators, le T-800 dans le premier et le T-1000 dans la suite, parce que ce sont des ennemis bien trop forts à affronter. Dans le 2, il est encore plus puissant et avantageux que celui du premier, étant quasi impossible à endommager. Et pourtant, elle est plus déterminée que jamais à l'affronter, elle. Mais Jake, il fuit un ennemi qu'il sait qu'il peut battre, même s'il est dans un exosquelette ultra puissant. Il a battu l'humanité entière dans le film d'avant. Pourquoi fuir maintenant? Pourquoi élever ses gosses comme s'ils allaient affronter le plus grand danger de tous les temps? Surtout que ça fait qu'un an qu'ils sont revenus et ils s'en sortent très bien.
Donc non, la répétition du premier film ou du reste de sa filmographie, c'est pas le problème, c'est de répéter en faisant n'importe quoi. Soit la même chose, soit moins bien parce que le truc n'a aucun sens. Et vous savez quoi? Tant qu'à écrire n'importe quoi, proposer du neuf, ça aurait quand même été un peu mieux. Bref, reprenons l'histoire. Comme Jake dans le premier film, on arrive dans un village et après un débat avec le chef de clan, où on demande littéralement aux femelles qui se crêpent le chignon de fermer leur gueule et d'écouter leur mec. I apologize for my mate, she's... Do not apologize for me. She's on a long way and she's exhausted. Jake. On est quand même loin de la Tsahik qui fait fermer ses gueules à tout le monde et de Netiri qui guide Jake, hein. Désolé pour ma femme, je sais pas comment elle est sortie de la cuisine. Et on doit apprendre leurs us et coutumes, leur faune et flore, leurs habitudes, et s'intégrer à un nouveau monde. Sa famille et lui apprennent à dompter la faune locale avec l'aide des autochtones, et la fille du chef apprend à un humain, entre guillemets, la culture Navi. Ici celle de l'océan, comme Jake apprenait celle de la forêt dans le 1. Mais justement, le monde de l'eau, on va découvrir qu'il est pas très intéressant, et la culture Navi, on va encore voir que James l'a un petit peu oublié. Par exemple, depuis le début, on nous vend les Navi comme une espèce éveillée, sage, ce qui est naturellement induit chez eux par l'aspect palpable de leur monde spirituel et de leur symbiose avec le monde de Pandora. Mais en fait non, ils ont tous les mêmes défauts que nous, y compris le fait d'être racistes. It's too small. How are they supposed to swim? Their arms are thin. Mom. Their tails. Oh. Are weak. Ou d'avoir de véritables sociopathes pour enfants. Lorsqu'ils arrivent, les enfants de Jake, qui s'appellent... je sais plus... il a dit le nom du premier enfant une ou deux fois... NTM, Loïc, le crétin de Touk et... Kiri vont faire la rencontre des enfants du clan, et notamment de ceux du chef. Tsireya, que Loak veut se taper, et Roto et Anang, avec qui il va se taper quand il viendra le faire chier. On y reviendra en temps et en heure, mais t'as vraiment l'impression que si on était sur Terre, les gars auraient débarqué dans le Bronx, et les gamins ce seraient ceux qui passent leur temps à jouer avec un couteau papillon. C'est des malades. Pour l'instant, cela dit, les Sully découvrent simplement leur nouveau quartier, pourrait-on dire. Les enfants du chef du clan Medkaina apprennent à ceux de Jake à vivre en harmonie avec le monde de l'eau, notamment en retenant leur respiration, et en fait, c'est à peu près tout. Honnêtement, je comprends pas que les gens soient pas plus fait chier que ça pendant le milieu du film, parce que contrairement à la jungle, les océans de Pandora sont ultra faciles à dompter, quoi. Ils proposent quasi exclusivement que de l'émerveillement, alors que bordel, je sais que j'ai peur des fonds marins, mais y a pas un environnement où t'es plus constamment en danger que les fonds marins, quoi. Il a même pas fallu 5 minutes à Jake pour tomber sur un prédateur alpha dans la jungle, et on va passer une demi-heure à nager au milieu des méduses. Dans le premier, découvrir et gérer la faune et la flore, c'était un challenge, être inventif. Créer une torche avec de la sève, apprendre à glisser sur les feuilles, à y trouver de l'eau, s'entraîner à l'escalade, apprendre à monter un animal et à les dompter, à tuer en respectant la vie que tu ôtes, apprendre à voler avec tout le mythe autour de Toluk. Et justement, Toluk, c'était un des éléments qui faisait planer un danger constant, confirmant que c'était un accomplissement de gérer cette jungle. Ici, bah ils apprennent à faire de l'apnée et... rien d'autre. Il n'y a même pas un prédateur à éviter. Ou peut-être parce que le village est installé dans un récif, parce que quand ils croisent un prédateur, c'est en allant en dehors. Come hunting with us. Outside the reef. It's where the men hunt. Sauf que si le récif est assez vaste pour accueillir une colonie entière des plus grosses bestioles de la planète et leur laisser la place de faire des roulades, je vois pas comment ils les protègent des prédateurs. Ou bien c'est peut-être parce que maintenant toutes les espèces de Pandora participent au même système de défense immunitaire planétaire. Mais quand même quoi, ça manque de danger et d'enjeux. Et au passage, ce que même en tant que non-vegan, je trouve bizarre, c'est que les Navi ont toujours le droit de tuer les autres animaux pour se nourrir. Y'a que la faune qui devient passive et exclusivement envers les Navi, pas entre elles. Ce qui montre un énorme favoritisme de la part des Ewa pour un peuple qui justement a grandi en harmonie avec cet équilibre naturel et est tout à fait paré à en affronter les dangers. Là encore, on contredit ce que nous a appris le premier film. Et c'est surtout une grosse facilité scénaristique pour que Cameron puisse nous vendre que l'océan, c'est génial. Alors c'est peut-être génial, mais c'est chiant, Jimmy! Tu nous mets 4 ou 5 parcours du héros en même temps, et le parcours du héros, c'est un chemin bien droit et facile. Rien n'obligeait à faire disparaître le danger naturel, dans tous les sens du terme, de Pandora pour les personnages, et ça retire une partie du côté naturel de Pandora, et le danger pour les persos, réduisant le film à une sorte d'étrange documentaire National Geographic. On découvre qu'ils peuvent respirer sous l'eau avec telle créature, et dans une scène d'action, on découvre ces plantes qui ont des poches d'air. Et honnêtement, c'est tout ce qu'il y a à découvrir de la voix de l'eau, comme ils l'appellent pour donner l'impression que c'est important. Ils arrêtent pas de dire que « Oh, ça nous accompagne du début à la fin, etc. » Mais dans le film, c'est quasi jamais illustré, à part à la fin, quoi.
On voit pas un rituel, on n'apprend rien sur la tribu et ses coutumes, même pas sur le sens de leur tatouage quand dans le premier on savait que les peintures de guerre étaient un symbole d'appartenance au clan. C'est eux qui les tatouent sur les baleines ou les baleines le font elles-mêmes? À part le fait qu'ils sont super potes avec ces créatures, on sait rien d'eux. Donc pardon, mais par rapport à la forêt du premier film, les océans ils sont pas fascinants, y'a rien de spécial à apprendre pour devoir les maîtriser, pas de danger particulier, et quand on te vend les Metcaïna comme étant un groupe super reclus avec un monde bien à lui, c'est faiblard par rapport au premier. Les héros ont rien à apprendre si c'était des variations de ce qu'ils savent déjà, et quand les gamins volaient sur des icranes au début, les dauphins phoques ça le fait un peu moins, ils n'ont rien à prouver, à eux-mêmes ou aux autres. Ils ont pas à progresser. Rien n'est un défi ou neuf. On file une arbalète à Loïc pour la première fois, il sait déjà l'utiliser, c'est un pro. L'apnée est réglée en une minute. Et puis t'as Kiri qui, tel Rey Skywalker, gère tout mieux que tout le monde. Mais au moins elle, elle est clairement une sorte d'élue. Là où Rey, non. Il y a la scène où Jake apprend à maîtriser les créatures locales, qui est un écho à celle où il apprend à dompter la créature volante, ou le cheval. Mais encore une fois, c'est moins impressionnant ou une simple répétition du premier. Même le prédateur qu'il monte ne semble pas être un danger. Sans parler du fait que la façon de voler de ces créatures est ridicule. Et ça aussi c'est décevant, la faune et la flore sous-marine de Pandora sont grosso modo des variations des espèces qu'on pourrait s'attendre à trouver sur Terre. D'ailleurs si vous avez déjà vu des images des fonds sous-marins, vous avez probablement déjà vu des créatures plus arbées que celles que propose le film. Même le village est pas ouf, il y a des huttes et des chemins en corde tressés comme on en voit au début dans la jungle. Bon, du coup c'est un peu moins dingue quoi, en dehors de l'environnement les tribus ont rien de vraiment différent entre elles. Et honnêtement, le film le sait, il s'en branle un peu quoi, on filme très très peu les décors et environnements cette fois-ci. Bref, pendant 45 minutes, on a rien de bien palpitant, rien de bien dépaysant par rapport à notre monde ou à celui du premier film, et les rares fois où il y a des défis, ils sont faciles ou résolus par un autre personnage. En quoi c'est fascinant cette suite du coup? En quoi on avait besoin de raconter cette nouvelle histoire? Et puis il y a un truc technique dont je voudrais parler maintenant. Non, fuyez pas, c'est pas pour parler du HFR, je vous renvoie vers mon vlog où j'en ai bien assez parlé, vous pourrez aller voir là-bas pourquoi c'est de la merde. Je veux parler du fait que si tu te présentes comme un accomplissement technique, tu ne peux pas tricher. Et dans un plan de ce film, ils ont triché. Ce plan a fait beaucoup parler quand il a été diffusé dans les trailers, beaucoup soulevant des doutes quant à la possibilité réelle de créer une simulation d'eau en effets spéciaux, capable de se comporter comme de la vraie eau, et notamment d'être absorbée par les tissus. Parce que les simulations d'eau, ça marche pour deux états, solide et liquide. L'entre-deux, comme une éponge, en principe, on sait pas trop faire. Donc tous les experts VFX ont été impressionnés ou perplexes face à cette eau qui rentre dans les mailles de la selle de Jake. Pour qu'on nous révèle qu'en fait, ça a été filmé en réel. C'était un mec avec les bras peints comme un avatar, avec une selle physique et de la vraie eau. Ils ont simulé une selle et de la flotte, mais ils l'ont entièrement remplacé par un vrai bras, une vraie selle et donc de la vraie flotte. Y a pas d'exploit dans ce plan, c'est juste un trucage visuel. Et si ça a l'air si réel, c'est tout simplement parce que, bah, ça l'est. Et c'est tout le problème. L'enjeu de ce plan, c'est de mettre des millions dans la recherche et le développement pour enfin trouver le moyen de le faire. C'est pour ça que le film s'est en partie vendu sur le nombre de brevets qui ont été déposés en effets spéciaux pour parvenir à créer les simulations nécessaires au film. C'est comme les simulations de fluide du premier, ou celles du sol, de la végétation, des technologies dans lesquelles le film a été pionnier. Et donc si tu triches, c'est une partie importante de la raison d'être de ces films que tu fous à la poubelle. Tu déclares forfait dans ton propre défi, en fait. Ils se défendent en disant « Ouais, enfin c'est plus rapide que si on faisait un rendu 100% virtuel, etc. » Bah faites pas un film 100% virtuel, alors! C'est comme l'animation 3D qui essaie de faire passer pour la 2D. Si tu veux pas faire les efforts, essaye pas de nous faire croire que tu les fais. Tu relèves le défi ou tu coupes le plan. Feignasse! Surtout que maintenant, tu jettes un doute sur tous les plans. Ces feuilles de banane, ou un truc dans le genre, qui semblent si réalistes et se comportent exactement comme des feuilles, je dois être impressionné par l'accomplissement technique? Ou vous avez filmé quelqu'un maquillé en avis qui plie des feuilles de bananier pour gagner du temps? Si vous pouvez tricher sur l'un, vous pouvez tricher sur l'autre, vous pouvez tricher sur tout! Alors clairement, ça laisse 95% du film clairement en CGI, de très haut niveau. Mais quand même, ça jette un doute sur les accomplissements techniques. Pour en revenir à nos océans, il semble donc totalement dénué de prédateurs. On en rencontre un et un seul quand, comme je le disais, ce sociopathe de Hanong décide comme ça, parce que ça le fait rire, de se comporter comme le leader débile d'un groupe de lycéens américains qui met quelqu'un véritablement en danger pour faire une blague. Voulant se venger pour leur petite baston et l'engueulade parentale qui a suivi quand Loïc est venu défendre sa sœur de leur moquerie, parce que quand des navis voient quelqu'un qui a une grande connexion spirituelle, ils s'en moquent, c'est évident. Il amène Loïc dans le territoire de chasse du seul prédateur marin du film. Attendez, je croyais que les prédateurs attaquaient plus les navis. Mais il en est heureusement sauvé par l'intervention d'une baleine de Pandora, un tout le coup.
Alors il y en aura sûrement un ou deux qui vont parler de Tsute, le gars qui était censé se marier avec Neytiri, qui avait un peu ce côté moqueur et cherchait Jake, mais entre pousser un ennemi ou un rictus quand il tombe de cheval et envoyer un être vivant se faire bouffer par un requin, c'est pas le même niveau. Les Tulkun, comme celui qui a sauvé Loïc, vont être au centre du reste du film. Faut bien comprendre qu'ils sont traités comme des humains. On commence immédiatement par nous dire qu'ils ont une intelligence comparable à celle des Na'vi, voire supérieure. Ce seraient les êtres les plus intelligents de Pandora. Notez-le bien quand même. Ils auraient des artistes, des mathématiciens, bref, on va nous dire que ces baleines sont comme des humains, pour rendre encore plus percutant le message écologiste du film. Et je veux bien, mais n'empêche, quand les baleines viennent rendre visite au maître Kaina et débarquent littéralement en mode « Yo ma sœur, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu !» Je suis désolé, mais quand même! Enfin, quand même, quoi! Au moins, leur donner un niveau de langage différent, ou mieux, ne pas les traduire! Il met des sous-titres justement pour nous montrer qu'elles pensent tout autant que nous, elles parlent comme nous, mais c'est quelque chose qu'on devrait comprendre juste avec les réponses des maîtres Kaina. Si tu le montres, ça fait ridicule! I will not. Pour nous aider à nous attacher au Tulkun, le film va un petit peu se concentrer sur le développement d'une amitié entre Loïc et celui qui l'a sauvé, qui se nomme Payakan. Il le rencontre avec un hameçon gigantesque encore logé dans une nageoire, l'autre coupé, clairement dans un sale état ayant survécu à une attaque. Pourtant, le film va nous concocter un scénario absolument débile. Tout le monde va reprocher à Loïc d'être son ami, parce que Payakan est un exilé. Parce que... Parce que... Parce que quand son clan l'a trouvé, au milieu de centaines de ses congénères morts, une nageoire arrachée et un truc clairement pas natif à Pandora planté en plein milieu de l'autre nageoire, ils l'ont accusé, lui, d'être le coupable d'avoir buté tous les autres, Tulkun et Na'vi. They say he is a killer. No, no, he killed Na'vi. And other Tulkun. Les êtres les plus intelligents de Pandora, s'il vous plaît, hein. Et les gars, c'est genre trouver un cadavre avec 6 balles dans le dos et à conclure que c'est un suicide. Et pire que ça, il est même pas exclu pour un crime qu'il n'a pas pu commettre. Il est exclu parce que c'est un peuple pacifiste. Et être pacifiste, ça veut dire que tu ne peux même pas te défendre toi-même ou protéger tes proches qui se font génocider la gueule. En fait, les Tulkun l'accusent juste d'avoir survécu. Chose qu'il n'aurait pu faire qu'en se défendant, et c'est pas bien de se défendre, ou d'avoir poussé les autres à se défendre. Donc, avoir voulu faire quelque chose quand les autres bouffaient des ogives, ça, ça en fait un tueur. He's not a killer. No, Loak. By the Tulkun way he is, he bears those deaths. Vous vous rendez compte comment faut triturer le truc dans tous les sens pour que ça fasse sens avec ce script de merde? Ça, c'est les êtres les plus intelligents de Pandora. Soit ils l'ont condamné pour avoir, on ne sait comment, perforé ses congénères, soit pour avoir protesté pendant le génocide. Et pour ça, il est banni séant. Dans l'océan. Non, attendez, c'est Disney maintenant, Avatar. Donc, il est banni sous l'océan. Sous l'océan. Et être banni, ça veut dire qu'on va même pas essayer d'écouter une défense. Pas un mot, pas une virgule de Payakan. Ni même de Loïc, qui a clairement vu ce qui s'est passé et qu'on punit pour s'être connecté à Payakan. Donc on sait qui pourrait apporter des infos en plus? C'est des gens qui se disent bonjour en disant « Je te vois, bordel de merde !» Ils se voient, mais ils écoutent pas. I know, I know. Vous savez, ironiquement, la réplique que devrait sortir Loïc ici, c'est une réplique que Cameron a coupée de Terminator 2. If I'm never supposed to be this great military leader, maybe you should start listening to my leadership ideas once in a while. En parallèle à tout ça, on peut suivre les aventures de Spider et Blue Hitler, qui, comme je l'ai dit plus tôt, ne font rien pour justifier ce qui se passera à la fin du film. Pour commencer, Quaritch doit, comme Jake, apprendre la langue et dompter un des prédateurs. Ce qu'il parvient à faire sans restreindre l'animal, car Spider a fait exprès d'oublier de lui dire de le museler avant. En opposition avec Jake, Quaritch va dominer la nature de Pandora et non l'embrasser ou s'inscrire dans son flot et suivre le courant. Ce qui fait se demander pourquoi le lien parvient à être créé, et surtout à quoi bon donner ce parcours à Quaritch si le personnage n'est jamais changé par cette modification ? Qu'est-ce que ça dit de plus ou de différent sur le personnage, justifiant son retour dans le rôle de grand méchant? Ou est-ce que le but c'est pas juste de le mettre à égalité avec Jake? Bon, je vais trop loin dans le film, pardon,
Pour l'instant, ça le fait surtout tomber pendant tellement longtemps qu'on a une ellipse entre sa chute et son retour. Et alors que c'était exactement ce qu'il espérait, cet abruti de Spider se sent mal de l'avoir fait tomber et est admiratif quand il revient. Par la suite, il assistera au massacre de la nature de Pandora et au kidnapping à deux reprises de ses amis et sa fratrie d'adoption, au harcèlement de centaines de villages. Et pourtant, les deux scénarios, celui de Jake et ses enfants et celui de Quaritch et Spider, se rejoignent lorsque les enfants Metcaina amènent la fratrie vers leur version de l'arbre des âmes, une algue des âmes, donc, ce qu'ils ne disent jamais parce que c'est beaucoup plus ridicule à l'oreille. La connexion avec laquelle va faire tomber dans les pommes notre cher Kiri. Et à nouveau, en totale opposition avec les leçons du premier film, la première solution de Jake, mais vraiment, la première, et de contacter ses amis humains afin qu'ils fassent venir leur équipement scientifique parce que Jake ne croit pas à tous ces remèdes de bonne femme qui lui ont permis de changer de corps. Les scientifiques qui d'ailleurs jugent le comportement d'un corps Navi exactement comme celui d'un humain normal et pas comme s'il y avait tout un tas de trucs qu'on comprenait pas dans la biologie des espèces de cette planète. She said that she could feel Awa. She could hear her heartbeat. That's what? That is classic frontal lobe epilepsy. You see visions, you get states of religious ecstasy, like the kind she's describing. Mais bien sûr, Norman! Rien à voir avec le fait qu'on accède au monde des morts en connectant ses cheveux à des arbres, ou le fait que Ewa soit une entité à l'existence tangible et vérifiée par le fait que la prière de Jack ait été entendue et que tous les costumes sont capables de se modifier selon la volonté de cette entité, chose que tu mesurais scientifiquement dans le film précédent et à laquelle tu croyais dur comme fer, ça doit être de l'épilepsie! That is classic frontal lobe epilepsy. You're an idiot. Ce faisant, il révèle donc sa présence à l'équipe de Quaritch et attire, bien évidemment, le danger sur le village des Metcaina, rendant définitivement inutile d'avoir quitté le village Omatikea qu'il mettait en danger, puisque ça prouve qu'il mettrait n'importe quel village en danger et ne peuvent pas fuir. Leçon également apprise dans le premier film, où les Omatikaya ont réuni des clans alliés quand ils ont réalisé que les humains ne partiraient pas plus que les Navi ne quitteraient leur terre, donc encore une fois, tu te demandes à quoi sert ce putain de deuxième film. Pour retrouver Jake dans ce dédale deal, Quaritch réquisitionne un navire de pêche, et c'est là que le film nous assène sa morale écolo en dénonçant un truc que quasi tous les peuples du monde rejettent déjà, la pêche à la baleine. Humpbacks were heavily hunted by man. They've been extinct since the 21st century. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le message écologiste marchait dans le premier, mais a beaucoup moins de sens dans celui-ci. D'abord, le premier était écologiste en général. La faune, la flore, la déforestation et la pollution causée par l'exploitation minière, c'est un peu la base de l'écologie. Là, on isole vraiment un truc très 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 spécifique. Ensuite, la ressource elle-même est exploitée de façon absurde. Dans le film d'avant, tout tournait autour de l'unobtainium, un des seuls trucs que tout le monde a retenu parce qu'on se moquait du nom, que Cameron n'a pas inventé. Alors déjà, le truc ici, il a complètement disparu, ça n'existe plus. Maintenant, tout tourne autour de l'Amrita, une huile sécrétée par le cerveau des baleines qui permet de stopper le vieillissement. Il précise pas si ça rend immortel ou pas, mais ça stoppe le vieillissement. Mais surtout, contrairement à l'unobtainium, un minerai, il n'y a pas vraiment de raison de la récolter comme ils le font. Bon, déjà, tu vois pas ce que la jeunesse éternelle a en commun avec la survie d'une espèce, et c'est dur de voir comment une poignée d'ultra-riches, vu que la fiole vaut 80 millions, sont un marché suffisant pour éradiquer une espèce entière. Donc le danger pour Pandora, il est un peu moins palpable. Mais surtout, là où il n'y a pas 36 moyens de se procurer un minerai, il y aurait bien d'autres moyens d'exploiter ces baleines de façon plus efficace, moins chère, et accessoirement, moins violente. Déjà, ils pourraient faire de la pisciculture et les traiter comme du bétail. Ça pourrait quand même être un message dénoncé par Cameron qui pourrait faire un palais avec les élevages de fourrure, par exemple. Ensuite, on voit bien que les humains ont des technologies de dingue, y compris le clonage. Donc est-ce que vraiment ils ont besoin de massacrer des espèces entières au lieu de les cloner? Tout entière ou juste cloner leur cerveau, par exemple? Ça doit pas coûter beaucoup plus cher qu'un avatar ou 5 soldats et ça rapporte 80 millions la fiole. Limite, ça doit être plus cher de les chasser et ça se financerait tout seul. Ou je sais pas, les gens se clonent pas eux-mêmes pour éviter de vieillir? On peut sauvegarder ton esprit? Ou bien ils peuvent pas créer une version synthétique? Since the dawn of time, men have harvested whales for a variety of purposes, most of which can be achieved synthetically at this point. Oui, oui, donc ils le font pas parce que nous aussi on pourrait le faire, et on chasse quand même la baleine. Pour des trucs futiles, c'est pas important.
Mais on parle quand même d'un univers où on clone un escadron entier de navis pour remplacer de simples soldats, donc ça a quand même l'air un petit peu farfelu dans l'univers d'Avatar, qui est quasi entièrement basé sur le clonage et l'hybridation, tout de même. L'Athénium, au moins, on pouvait pas le cloner. Donc là où le délire du premier film est compréhensible, dans le 2, il s'insère un peu moins dans l'univers créé par Cameron. Un peu comme tout ce qu'il a créé pour cette suite. Cela dit, bien sûr, hein, qu'ils ont pas fait un truc intelligent, parce que si c'était pas con, on pourrait pas reproduire les scènes tristes du premier film. Et vas-y que je te mets la mort d'un symbole mystique, et que je te mets la musique de disparition d'un truc mystique du premier film, et que je te mets la chef de la tribu qui hurle face à l'absurdité et la brutalité de l'humanité. Je veux dire, merde! Le même passage, la même musique, les mêmes arcs sur 4 ou 5 personnages, pour finir avec un message caduque parce que le concept n'a pas de sens, avec le tiers de l'attachement qu'on avait pour les Omaticaya parce qu'on connaît rien au Medkaina. C'est ça le problème! C'est pas juste de refaire le premier film, c'est de refaire la même chose, ou moins bien. Exactement ce qu'une suite est censée éviter. Surtout si c'est censé être la première de 4 suites. Les Medkaina sont furax, évidemment, que leur frère et sœur Tulkun se fassent défoncer, mais Jake vient leur dire que non, 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 faut pas se battre. Faut dire au Tulkun de se barrer comme lui l'a fait. Vous savez le truc qui vient magistralement de rater parce que quand une invasion est planétaire, quand tu te caches, on te trouve tôt ou tard. Et vu comment les Medkaina sont racistes, des humains bien sûr, mais même entre navis, je me demande pourquoi ils écoutent Jake, hein, si ce n'est pour faire encore un miroir inversé du premier où Jake est écouté, et non mis à mort. Apprenant que les baleines sont en danger, Loïc désobéit une fois de plus à son père, mettant en danger la famille, en filant prévenir son ami, suivi de ses inconscientes frangins et frangines, et des enfants du chef, tout le petit groupe se mettant en danger pour faire avancer le scénario qui, de toute façon, n'a pas besoin de ça, puisque bien sûr, Payakan, qui voyage toujours seul et n'est pas une femelle qui doit protéger un petit et n'aurait en principe aucune chance d'être détectée, a été repéré et marqué d'une balise par les équipes de Quaritch. Quel putain d'heureux hasard, quand même! Oh ben ça, ça tombe. Mal. Alors... Résultat, après une course-poursuite sous-marine, Loïc, la fille du chef et crétin de Took sont capturés par Quaritch, comme leur père l'avait été dans le premier film. Jake, en bonne hypocrite égoïste, n'a cette fois aucun remords à exploiter la peur et la colère des Medkaina, qui vont donc entrer en guerre contre les humains, comme dans le premier film, en moins grand. Tout le monde se prépare. Tu devrais rester à la cuisine. Ce soir, on bouffe les humains! Et le clan part récupérer les enfants auprès de Quaritch, qui lui se prépare à les recevoir. Dès qu'ils arrivent, Jake et lui entament les négociations. Philippe, je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Eh, je suis désolé, mais le vrai dialogue, c'est le même niveau. Jake part pour se rendre, ce qui grosso modo lance l'assaut. Et Loïc, comme son père qui avait dompté le Seigneur du Ciel, devenant Toruk Makto, a au final dompté le Seigneur des Mers, qui va volontairement, et non forcé par Jake, ouais, c'est le seul moment où lui et Quaritch c'est un peu pareil, lui prêter main forte. Neytiri sort enfin de la cuisine pour offrir quelques tirs de flèches bien sentis, et les enfants parviennent à s'échapper. Kiri, Kiri, Kiri! Est prise par Quaritch, la fille du chef et crétin de Took retournent la chercher et la petite est recapturée, la fille du chef s'échappe à nouveau pendant que Loïc et MTM vont libérer Spider. Mais à nouveau, le script prend une décision des plus connes. Deux décisions connes, d'ailleurs. D'abord, Jake et sa famille étant en danger, tu t'attends à voir arriver la tribu Medkaina qui l'a poussé à participer à la guerre. Sauf que c'est tous des putains de lâches qui disparaissent dès le premier assaut. Ils ont plus rien à affronter, mais en ont également rien à foutre de Jake, je suppose qu'ils sont hors cadre, en pleine partie de beach volley, parce qu'en tout cas, ils sont pas dans le coin. Et ensuite, attention, sortez les mouchoirs, le fils de Jake meurt. Je précise, NTM meurt. Pas Loïc ? Le gars qu'on suivait pendant tout le film, quand on suivait pas Jake, Quaritch, Spider ou... Kiri, Kiri, Kiri! NTM! Le gars qui a prononcé 5 phrases pendant tout le film! Mais comme ça, ça nous permet de reproduire la scène où Neytiri a perdu son papa! NTM! Autant dire que mon cœur saigne. Neytiri, Jake et Spider retournent sur le navire pour récupérer les deux filles et buter Quaritch. Libère crétin de Took, on a une bataille au couteau avec Quaritch comme dans le premier,
qui se termine également avec une prise d'otage, mais double cette fois-ci. Alors que Quaritch menace... Neytiri menace de tuer Spider pour venger son fils si Quaritch ne relâche pas son otage. Une situation annoncée par le racisme incompréhensible de Neytiri depuis le début. Et toute la question ici est de savoir si c'est du bluff ou si vraiment elle aurait pu tuer Spider. Ça pose aussi le problème de savoir si Spider lui en veut, et si, couplé à l'acte de Quaritch, ça pourrait expliquer ce qui se passe à la fin. Ça fait beaucoup, donc pour l'instant, concentrons-nous sur ce que ça implique pour la relation entre Neytiri et Spider, et on reviendra au fait que Quaritch libère pour sauver son fils dans quelques minutes. L'implication, c'est que le racisme et la rage de Neytiri prennent le dessus, et elle en vient à traiter Spider comme un étranger, quelqu'un dont la vie ne compte pas pour elle, comme le fils de Quaritch, en somme. Mais si cette scène a une conséquence dans le point de vue de Spider sur Neytiri, ou les Na'vi en général, bah c'est pas illustré ici, ça le sera peut-être dans les suites, cela dit. J.J. Abrams doit être si fier. Spider lui fait confiance pendant la scène et participe à ce qu'il semble accepter comme un bluff pour sauver sa copine, avec qui il reste après cette scène sans montrer de rejet pour la culture Na'vi, comme effacer ses fausses zébrures bleues ou raser ses dreads, ou de rejet ou peur pour Neytiri, qu'il approche sans crainte, juste de la tristesse, quand il les rejoint à la fin autour du corps de NTM. En plus, le remords se lit dans ses yeux quand elle suspend son geste, impliquant que même si elle avait été sincère, elle regrette et comprend qu'elle a été trop loin. Donc le film semble impliquer que c'était un bluff, et que Spider n'en veut pas à Neytiri. Et ce sera important pour quand on abordera ce que ça implique pour Spider et Quaritch, mais on y reviendra donc dans quelques minutes. Avant, il faut qu'on parle d'une des scènes les plus connes du film. Parce qu'alors qu'ils ont la possibilité de s'échapper, ils remontent sur le bateau pour échapper à un mur de flammes. Mur de flammes qui, par définition, n'existe que sur la surface de l'eau. Ils ont littéralement qu'à nager 20 secondes pour passer en dessous, et ils le font 5 minutes après. Mais non, cette bande de blaireaux retourne sur le bateau. Ironiquement, le bateau lui-même se retourne, piégeant Jake avec Quaritch et Neytiri avec le crétin de Took, poussant Spider et Loïc à retourner dans l'épave, tout comme qui utilise sa connexion profonde avec Ewa pour recevoir l'aide des méduses à oxygène qui permettront à sa famille de respirer, et de petits poissons bioluminescents qui leur permettront de voir quelque chose. Jake noie Quaritch, puis lui, Neytiri et crétin de Took sont sauvés par et Loïc, parce qu'apparemment aucun des deux parents n'a appris à faire de l'apnée depuis tout ce temps, et ils ont besoin de leur aide. Mais vous comprenez, comme ça, ça inverse la relation parent-enfant, et ça fait croire que Jake a eu un arc pendant le film et pas qu'il était complètement con du début à la fin. I see you. Bah oui, maintenant qu'il t'a sauvé la vie, à 16 ans, il est jamais trop tard. Ah oui d'ailleurs, en parlant d'arc, celui de Neytiri, hérité de son père, va se briser pendant ce climax. Et je vous avoue que j'arrive pas trop à comprendre la symbolique, parce que, pour le coup, elle fait exactement ce qu'elle doit faire. Elle défend sa famille, son clan, son espèce. Elle est peut-être un peu énervée, mais je vois vraiment pas ce qu'elle a à se reprocher pour mériter cette symbolique. Si encore c'est arrivé après qu'elle ait menacé de tuer Spider, je dirais pas. Mais avant, je vois pas. Mais continuons le récit parce que là, ça y est, mesdames et messieurs, l'issue de la relation entre Quaritch et Spider que je vous tease depuis le début arrive. Là, après 3 heures à nous avoir mis Quaritch dans le corps de l'ennemi pour que Spider le voie être exactement ce qu'il était avant, le film nous sort LE doigt d'honneur ultime. La scène qui n'a aucun putain de sens! Spider sauve Quaritch! Non mais sérieusement? Sérieusement? Le fils d'Hitler, qui pendant toute son enfance a entendu que son père était Hitler, et pendant les derniers mois a eu la preuve que son père était Hitler, sauve Hitler! Non, 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 non! Alors certains ont tenté de justifier cette action en sortant la fameuse scène de prise d'otage. Donc. Parce qu'en fait, on pourrait ignorer tout le film. Vous savez, les passages où il a brûlé des villages, tué des animaux, etc. Pour certains, si Spider sauve Quaritch, ce serait parce que Popo aussi l'a sauvé. Ce qui, ajouté à la menace de Neytiri, l'aurait poussé à rejeter ou ignorer le bien des Na'vi et écouter son ADN. Alors ok, il a peur de Neytiri quand elle pète un câble, parce qu'elle pète un câble, mais j'ai vraiment le sentiment que l'acte de Neytiri est pardonné par Spider, qui comprend que c'était une nécessité pour sauver sa copine et pas une vraie volonté de lui nuire par Neytiri, et que l'explication du film, c'est juste, bêtement,
qu'être considéré comme le fils de Quaritch par Neytiri et lui, qui fait ce que la morale patriarcale, et vous savez que j'aime pas ce mot, du film nous dit qu'un père doit faire pour en être un. A father protects. It's what gives him meaning. Lui a prouvé qu'il est bien son fils et que donc c'est mon papa. Faut que je sauve ce qui compte vraiment. Et j'encaisse pas. Parce que dans ce contexte, avec les symboliques du film, quitter son espèce, respecter la nature, et surtout avec la personnalité de Spider, que Quaritch soit son père, c'est un peu ce qui compte le moins, en fait. Ouais, vas-y, sauve-le, Miles. Nonobstant le fait qu'il veuille réduire la planète en cendres, qu'il se soit tellement pas occupé que toi que t'étais absent du premier film, que vous ayez à peine créé du lien autour de la culture de Na'vi en 6 mois, que tu sois amoureux de Pandora et plus que clairement amoureux de fromage frais, au point de t'en peindre des rayures bleues, assurément, ce qui compte vraiment pour le monde entier, et spécifiquement pour toi, c'est de sauver Quaritch. Vas-y, sauve-le, le Poutine de l'espace. Encore une fois, prenons Star Wars comme référence. Si Vador avait pas changé de camp pour sauver son fils, tuant l'Empereur, Luke aurait pas traîné son corps calciné sur 300 mètres afin de lui offrir une sépulture décente. Il faut un acte de rédemption du père pour justifier un retournement pareil chez le fils, qui va à l'encontre de tout ce qu'il croit. Et il y en a aucun. Il a pas changé de vision du monde, de pratique, d'objectif, Spider veut même pas rester avec lui. Il a pas fait tomber le système, ou le gars à la tête des humains, ou déjouer un de leurs plans, c'est vraiment juste aussi con et basique que les liens du sang, vous comprenez. Ce qui n'a aucun putain de sens dans une saga basée sur le fait d'abandonner son passé et son humanité pour rejoindre un clan plus spirituel et respectueux du monde et de son prochain. Et la prise d'otage, donc, c'est pas une bonne explication, parce que ok, Quaritch l'a sauvé, deux fois, mais à chaque fois dans l'espoir qu'il le rejoigne pour l'exploiter à ses fins. Et pour revenir sur Neytiri et sa rage, ça non plus, ça justifiera pas de sauver Quaritch. Si sauver Quaritch, et donc condamner les Na'vi à continuer à affronter leur pire ennemi, puisqu'apparemment il n'y en a pas d'autre, était le signe d'un rejet de la part de Spider suite à la prise d'otage, ce serait absurde, puisqu'il finit avec eux, tenant la main de Kiri, Kiri, Kiri. Donc clairement, il veut y rester chez les Na'vi. De toute façon, s'il est un minimum honnête avec lui-même, il peut pas plus rejeter les Na'vi pour les actes de Neytiri, qui ne devrait excuser son père parce qu'il est son fils ou appartient à son espèce. Et s'il juge l'espèce pour les actes d'un individu, comment est-ce qu'il peut sauver un mec qui vient de menacer la fille qu'il aime, tout comme Neytiri vient de le menacer? Parce que justement, Neytiri est une grosse raciste, et considère Spider comme un danger simplement parce que c'est un humain. Ce qui n'a aucun sens avec le premier film. Alors, quand je vous disais que rien n'avait de sens autour de ce personnage, j'avais raison ou j'avais raison? Enfin, l'histoire se termine, Jake affirmant que désormais leur maison est ici, parce que oublions que Pandora tout entière est un écosystème et que même enterré ici, il pourrait contacter son esprit à travers l'arbre des âmes. Ils ont enterré leur gosse ici, et donc la famille restera ici. Parce que celle de Neytiri, on s'en bat les couilles, hein, sa famille. Elle peut la laisser derrière elle, mais le fils de Jake, on va rester là où il est enterré. Et puis on peut pas l'enterrer ailleurs. Hein. Une dernière fois, on reproduit le premier film, avec les persos qui ont appris la même leçon ou n'ont rien appris parce que leur arc était débile, une situation qui est revenue à ce qu'elle était avant le premier film, notre ou nos persos acceptés pleinement dans un nouveau clan, et en faisant exactement le même plan de fin. Et générique. Voilà. Voilà, voilà. 12 ans à se demander ce qu'il pourrait bien avoir à nous raconter, le Jim Cameron, pour nous sortir 4 suites, pour avoir comme réponse de la merde. Du remâché. Honnêtement, c'est même se demander si c'est vraiment le même mec qui a réalisé le film. Vous êtes sûr que c'est pas un remake d'exploitation italien? Genre Terminator 2, réalisé par Bruno Mattei. Avatar, réalisé par James Cameron. Plusieurs personnes se sont amusées à référencer les nombreux parallèles entre ce film et toute la filmographie de James Cameron. Les mammifères marins qui évoquent les piranhas mutants de Piranha 2, les exosquelettes à la Aliens, dans un océan de flammes comme dans Terminator, dont il récupère la dynamique parent-enfant et l'ado rebelle, l'importance du monde sous-marin à la Abyss et quelques designs qui y font penser, ou le navire qui se retourne et coule évoquant Titanic. Mais souvent les gens font ça pour en faire les louanges, et pas pour dénoncer le fait qu'ils se soient recyclés pour un film qui, symboliquement, ne représente rien. Pas son 10e film, par exemple, une simple suite, et pas une nouvelle histoire, ou pour dénoncer le fait que le gars ait quand même fait un mégamix de son propre travail, fait une suite à son univers, et qu'il a trouvé le moyen de la rater. Alors, bien sûr, c'est dur d'attaquer le scénario d'une saga qui ne s'est jamais vendue sur le scénario. Mais il y a une différence entre bouffer du popcorn parce qu'on vous propose une histoire certes simple, mais cohérente et logique, qui sert du grand spectacle, et bouffer du popcorn parce qu'on veut pas se casser le cul, alors qu'on vous propose une histoire volontairement plus complexe, à nouveau servi par très beau graphisme. Oui, Avatar Premier du Nom était simple, et le deuxième essaye de l'être, malgré ses multiples protagonistes.
Mais dans le premier, jamais, à aucun moment, je ne me suis posé de questions sur la progression de l'histoire ou les décisions des personnages. Et dans le 2, ça m'arrive tout le temps. Rien dans le script d'Avatar 2 ne sert à quoi que ce soit. Jake n'a rien à voir avec le personnage qu'on a quitté à la fin du premier film pour qu'au final, il réapprenne les mêmes leçons, et la famille Sully a simplement déménagé et a perdu un gosse qui avait tellement peu d'importance qu'on s'est souvenu qu'il existait au moment où ils l'ont fait crever. En dehors de ça, il n'y a aucune progression pour aucun personnage. Kiri servait à teaser la suite, Took servait à rien, Neteyam servait à mourir, et Loak, s'il a appris une leçon, on le saura dans la suite. Le truc le plus intéressant, c'était l'histoire de Kiri, mais ses pouvoirs sont à peine teasés et honnêtement, s'ils grandissent, comment la mettre en danger ensuite? Et enfin, il y a Quaritch et Spider, une histoire insensée, justifiée dans tous ses aspects à la « vas-y comme je te pousse », qui, comme prévu, n'aboutit à rien, si ce n'est un acte ubuesque servant à justifier le nouveau recyclage du méchant dans la suite. Confronté directement à la tangibilité d'Ewa, Quaritch ne change pas, et ne changera pas, parce que Cameron a annoncé qu'il sera le méchant dans toutes les suites, et confronté à la connerie humaine, Spider ne change pas non plus, tu m'étonnes, rendant le parcours des deux personnages nul et non avenu, et leur incorporation au film, inutile. Avatar 2 est une mauvaise suite, et réussit à peine ce pourquoi elle s'est détruite elle-même. Être le premier volet d'une saga. Je suis pas intéressé pour voir trois autres films sur des personnages qui ne sont là que pour déclencher le script en faisant des conneries, et qui vont passer une heure par film à s'émerveiller devant une nouvelle région de Pandora. Alors, il a promis de méchants navis dans le 3, c'est déjà une façon de faire changer l'histoire en modifiant le schéma, comme annoncer que le 5 se passera sur Terre, même si du coup, s'il y a des méchants navis, on se demande bien ce qu'ils ont de différent avec les humains au final. Et qui sait, peut-être que contrairement à la nostalgie Star Wars, James saura suivre son reboot malfagoté d'une excellente saga qui nous fera oublier les incohérences entre les deux premiers parce que ça aura permis une meilleure histoire. Ça me semble plus faisable par Cameron qu'Abrams et Johnson, assurément, mais une bonne suite à Avatar aussi, ça me semblait une affaire pliée, et il se trouve que non. Je suis désolé, mais c'est pas une leçon envers Marvel, c'est la même médiocrité scénaristique. Au service d'un divertissement de meilleure qualité, c'est vrai, dans l'attention aux détails, l'envie de bien faire au niveau technique, la qualité des effets spéciaux, oui, assurément, c'est beau, c'est divertissant, c'est un accomplissement technique avec un ou deux astérisques, et on retrouve la même mise en scène immersive que dans le premier, bien que l'environnement différent, l'océan, généralement plus vaste et dégagé, amène à des plans globalement moins intimistes, sans pour autant faire disparaître les plans plus rapprochés, voire les vues subjectives, et on pourrait même argumenter que c'est pas une si mauvaise chose que l'histoire se répète autant, parce qu'après tout, ça devrait assurer de conserver l'esprit de l'original, comme il l'a fait avec Aliens ou Terminator 2, mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Au niveau du script, Avatar 2, c'est pas juste simple, c'est simplement nul. Honnêtement, son succès en salle restera pour moi un mystère. Car je vous garantis qu'en silence un Avatar et le passage humide, c'est moi qui ai raison, et donc, vous qui avez tort. Ah, voilà! Voilà, voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a mis beaucoup de temps à arriver. Il y en a qui attendent depuis un an et demi, qui viennent vous pourquoi j'ai regardé les temps sur la chaîne. Il y en a qui attendent que depuis deux mois, parce qu'il y a eu d'autres vidéos qui sont sorties entre temps. J'espère donc que ce retour vous aura plu. J'espère que vous considérez votre patience récompensée. Je vous remercie tous. Je remercie notamment les tipeurs qui soutiennent la chaîne depuis des années. Et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!